Ce mardi 20 juin 2023, Laurent Ruquier présentait une édition spéciale des Grosses Têtes consacrée à la disparition de Claude Sarraute. Pour l'occasion, plusieurs proches de la journaliste ont pris la parole. Stevie Boulet a notamment fait quelques confidences. Proche de la romancière, il a révélé la cause de sa disparition. Claude Sarraute décédé à l'âge de 95 ans. Claude Sarraute était une personnalité bien connue du paysage médiatique français. Journaliste, écrivaine, critique littéraire, elle a mené une carrière riche et diversifiée, marquée par son engagement et sa passion pour la culture. Elle s'est notamment fait connaître du grand public dans les années 1970 grâce à ses chroniques littéraires et théâtrales à la radio et à la télévision. Elle animait notamment l'émission Le Masque et la Plume sur France Inter et participait régulièrement à des émissions comme Apostrophe ou encore Les Grosses Têtes. Malheureusement, ce mardi 20 juin 2023, on a appris une nouvelle dont on se serait bien passé. En effet, Claude Sarraute est décédé à l'âge de 95 ans. Si est son fils Martin, l'un de ses quatre enfants, qui s'est chargé d'annoncer la triste nouvelle à l'AFP. Proche ami de la journaliste depuis plus de 30 ans, Laurent Ruquier a été particulièrement affecté par sa disparition. Si est donc tout naturellement qu'il a réalisé une édition spéciale des Grosses Têtes en la mémoire de la journaliste. L'occasion pour ses proches d'en dire un peu plus sur les circonstances de sa disparition. Claude Sarraute et Laurent Ruquier @dr Stevie Boulet fait une confidence sur la mort de la journaliste comme l'a révélé la bande des Grosses Têtes dans le numéro spécial qui lui était consacré. Claude Sarraute avait un temps prévu d'avoir recours au suicide assisté. Oui, sauf que sur les derniers mois de sa vie, la journaliste aurait finalement accepté la fatalité. Voyant son état se dégrader peu à peu, celle qui a officié pendant 35 ans chez nos confrères du Monde, aurait décidé de mourir chez elle. Et, si est-ce qui s'est passé selon les dires de Stevie Boulet.